L'entreprise Mika Service relance les travaux de réhabilitation de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à Franceville, au sud-est du Gabon. Le recteur que je suis voudrait récupérer dans son entièreté tous les blocs. Les travaux ont repris de plus belle. Et donc on espère que les délais qui nous seront avancés jusqu'à présent, c'est-à-dire à la fin du mois de mai, et peut-être tous les blocs au mois de juin, nous voulons rester optimistes. Soucieux des conditions de travail des étudiants et des enseignants, le CTRI a ordonné la reprise effective des travaux que le pouvoir déchu avait laissés inachevés. Je suis le point focal de l'université, notamment pour ce qui est des travaux de réhabilitation, et point focal aussi de la task force CTRI. Au niveau des travaux de réhabilitation, on va dire que les travaux vont bon train. Depuis lors, les travaux, on va dire que l'avancement se situe entre 70 et à peu près 95%. Il y a des entreprises qui sont pratiquement au bout de leurs travaux de réhabilitation, des lots qui leur ont été confiés. Par contre, d'autres, il y a encore quelques soucis. Des soucis soit de financement ou des soucis liés à l'approvisionnement du matériel que l'on ne trouve pas sur place et qu'il faut faire les commandes et donc ça prend du temps. Malgré le retard accusé, les entreprises en charge de ce projet sont à pied d'œuvre pour l'avancée des travaux. L'USTM est sur le point d'être opérationnel après les travaux de réhabilitation.